المعاهد وآل الشيخ نعرفوهم. Galette, je disais, c'est notre correspondante, la personne qui, en Algérie, défend pour nous la liberté de la presse. Je me souviens de l'engagement de mon père à l'OAS, grand frère pareil. كانوا كولون في المتجه دبحتوا الجزائريين اليوم جيت ديال الديمقراطيه. Ménard a été tendre la main comme un mendiant au paravent de la CIA. الجرائد والإعلام قالوا إنها صهيونية وخائنة. I do think that Israel has invented international justice. Arrêtez les rumeurs et les fake news autour de la personnalité de François Zimri. L'amour d'Israël et les droits de l'homme. Mais que vous chérissez comme une neuf. Nous avons l'habitude, nous les juifs, et en particulier ici en France, et il faut le faire, d'insister sur l'importance cruciale de la transmission des leçons de l'histoire. Il y a beaucoup plus qu'une coïncidence entre la naissance de l'État d'Israël et la naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et comme par hasard, celui dont nous considérons qu'il est l'un des principaux auteurs de cette déclaration fut également président de l'Alliance israélite universelle, René Kassab. Ce n'est ni une succession de coïncidences ou de hasards, ni une étrangeté du calendrier, mais tout simplement, il n'y a rien de plus normal, car la création de l'État d'Israël puise sa force morale et ses racines au plus profond des valeurs qui sont les valeurs qui sont au cœur de la Déclaration universelle. Souvent, j'ai entendu de la part de nos amis, oui, mais c'est bien ce que vous faites, mais il y a des priorités dans la vie. Et Israël est menacé, Israël est aux prises avec un combat existentiel, et nous devons choisir nos priorités, en fonction de nos priorités, nous devons être d'abord aux côtés d'Israël. Je ne crois profondément pas que ce combat nous détourne de ce que nous sommes. Je ne crois pas du tout qu'il nous détourne des valeurs d'Israël. Je crois qu'il nous en rapproche au contraire très profondément. Une pensée très profonde et chaleureuse pour notre compatriote Gilad Shalit.
Gilad Shalit est le plus jeune des otages français. C'est une situation criminelle, une situation illégale. Cette situation de maintien d'un otage en violation des principes mêmes du droit international n'est pas compatible avec l'idée d'un état de droit. Un jour, tous ceux qui ont organisé, qui ont laissé faire, qui ont encouragé cette répression, et bien sûr ceux qui l'ont menée, devront rendre des comptes. Ils iront devant la justice internationale rendre des comptes et ils seront poursuivis et punis. Et on peut compter sur la détermination de la France au sein des Nations Unies pour maintenir cette question au cœur des préoccupations de la communauté internationale et de l'agenda du Conseil de sécurité. Est-ce que la poursuite des constructions de colonies est une atteinte aux droits de l'homme ? Je dirais pas que c'est une atteinte aux droits de l'homme, non, d'un point de vue strict, et c'est pas une complaisance de dire ça. Mais je pense que... Mais je peux pas dire que c'est une atteinte aux droits de l'homme. Alors qu'il s'agit de valeurs universelles qu'on voudrait juste...